française. Donc c'est parti, c'est cette case-ci. Alors je ne porte rien sur les lèvres, il ne fait pas trop nuit, donc on va pouvoir tester le rouge à lèvres en même temps, si j'arrive à ouvrir la case. Hop. Donc c'est un mix lingerie, dur à sortir. Hop. Donc ça a l'air d'être un nude. Alors, c'est le embellissement. Je revérifie derrière pour voir si c'est bien ça. C'est l'embellissement. Donc, je me suis munie d'un petit miroir. C'est parti. Voilà la couleur. C'est un joli marron. J'aime beaucoup. Et encore là, la luminosité. Commence à tomber. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pas vraiment ce style de couleur et franchement, par contre, pareil, hein, c'est un rouge à lèvres liquide mat, donc il faut vraiment mettre un baume à lèvres avant. Je vous le répète à chaque fois. Donc les NYX Lingerie, ce sont des rouges à lèvres matifiants, il me semble. Je vais regarder derrière, voir si je dis pas de bêtises. Ce sont des rouges à lèvres liquides, mais ils se matifient. Là, je sens que ça se matifie un petit peu. Je vais essayer de m'approcher. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est l'embellissement. Vous voyez, c'est un marron. Encore, vous le voyez vraiment foncé. Voilà. Donc, il se matifie un petit peu. Vraiment top, hein. Regardez. Voilà, et ben voici le numéro 16 du calendrier de l'Avent NYX. Je suis très contente. Il est vraiment beau. Alors, par contre, il assèche comme tous les rouges à lèvres mat. Cela assèche quand même les lèvres. Donc, il faut vraiment mettre un baume à lèvres au-dessus. Et de temps en autre, si on sent que ça ressèche, moi, ce que je fais, c'est que je remets un tout petit baume à lèvres par-dessus. Et par contre, ça enlève un peu la couleur. Donc, je vous remontre l'embout. C'est un embout gloss, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez bien la couleur. Malgré que la luminosité commence à... Enfin, la nuit commence à tomber un petit peu. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Bah, rendez-vous demain pour le 17e jour du calendrier de l'Avent. Presque à 8 jours avant le 24. Je vous fais des gros bisous.